Donc aujourd'hui, du coup, on va essayer de se focus un petit peu. Alors, pour commencer d'abord sur un spawn agressif et ensuite un spawn safe. Alors, j'ai pas tellement envie de travailler sur un spawn safe vu qu'on a travaillé en début de semaine, il me semble, justement là-dessus. Donc, on va plus faire entre spawn agressif et spawn mitigé. Le but, c'est quand même d'avoir de la contest et justement de savoir réagir face à cette menace. Donc, principalement, du coup, je vous le rappelle, les spawns agressifs sont principalement ceux qui se trouvent au niveau de l'itinéraire de bus, donc des premières villes qu'on va pouvoir rencontrer, d'accord. Ça peut être du coup au niveau par exemple plateforme jusqu'à Kragi, donc Slurpee directement, du requin jusqu'à Missy par exemple, ça pourra être Sweetie, la première grande ville, et inversement de Kragi jusqu'à la plateforme, on pourra dire que c'est plus plaisante. Voilà, le but c'est vraiment de voir les plus grosses villes lorsque vous allez voir apparaître au niveau de votre début de partie et analyser. Allez, du coup, on va essayer de voir ce que ça va donner au niveau de Lazy. Donc toujours comme d'habitude, une très grande ville, vous la connaissez hein. Le but va être directement de pouvoir se mettre très bien au niveau de notre stuff pour commencer à avoir une arme pour pouvoir se défendre. Bien sûr, il faut aussi des matériaux, ok, au minimum un ou deux matériaux. Enfin, quand je dis un ou deux, c'est à dire que 10 ou 20, d'accord, bien sûr, pour pouvoir poser une à deux structures. Le but est du coup de pouvoir jouer avec l'edit face à l'ennemi et tout simplement de pouvoir être beaucoup plus intelligent que celui-ci. Voilà donc un coffre qui est présent juste en dessous. Directement, on va pouvoir prétendre à une arme. Ok, pas trop de chance là-dessus. Ça, c'est pour les bots, c'est ça, il me semble. Ouais, sur les bots, ok. Alors, imaginons du coup que nous avons eu une AR à notre drop. Le but directement, c'est essayer de slay un maximum de joueurs. Ok, donc on va essayer de voir un petit peu ceux qui sont encore en train de jouer. On va essayer de jouer avec la IM et être précis. Les joueurs qui vont essayer d'atterrir sur le toit également pour essayer de prendre les armes et prétendre à faire la même chose que nous. Également au niveau de cette maison, le coffre qui est présent. Ok, vous le voyez juste ici. Donc on sait qu'il va y avoir au moins un à deux joueurs potentiels qui vont essayer de spawn à cet endroit là, toujours au niveau de la hauteur naturelle pour pouvoir prétendre à essayer de slay les joueurs qui sont soit en retard, soit qui sont trop courts. À partir de là, on a vu que tout le monde a essayé d'atterrir. Donc toujours, on essaie d'analyser un maximum, on fait bien le tour justement de notre bâtiment pour essayer de prendre quelques proies faciles s'il y en a. Salut Charlie Bor, comment tu vas? Ok, on voit que du coup ça commence à être clean, tout le monde est dans leur son bâtiment, donc on va commencer à descendre à notre tour. On va commencer à tranquillement faire le tour également, bien sûr. Le petit coffre qui est ici, on va donc récupérer. On va faire un petit cas concret avec les bottes là. Ok. Est-ce qu'on peut en mettre encore là-bas? Ok. On a donc spawn. Ah mais ils sont en train de se rejoindre et se tirer dessus. Ok, c'est trop cool. Donc du coup, on a la hauteur. On sait qu'il peut y avoir potentiellement beaucoup de joueurs en face de nous. Ok, donc directement, le but, c'est d'essayer de prendre des proies faciles. On voit qu'il y a également des joueurs qui sont en train de courir. Ok, on n'a pas touché, c'est pas grave. Ici on peut tenter, ok, le but est toujours du coup d'essayer de slay les joueurs au maximum qui sont encore dans la rue ou en train de courir pour essayer d'aller dans les bâtiments. Ok, on sait qu'il y a du monde dans notre bâtiment, donc principalement, oh, il y a un mec ici aussi, directement, on va se diriger dans le bâtiment d'en face. Faut quand même essayer de jouer la sécu au début. Hein. Ah mais pourquoi ils sont avec moi? Je veux pas qu'ils sont avec moi. Ils sont avec moi, bon bref, pas. Ok, donc toujours, voilà, on joue la sécu. On essaie de voir, mais pourquoi il... Bon bref, voilà, on prend la hauteur. Et le but toujours c'est d'avoir la visu. Une fois que c'est fait, ok, on peut commencer du coup à descendre, comme je disais, dans notre bâtiment. Et bien sûr commencer à prétendre à avoir un petit peu de loot. Toujours se méfier par contre au niveau du son, de ce qui se peut se passer autour. Ah. Ok, okay. C'est marrant. Je savais pas que ça faisait ça. Voilà, faire bien le tour correctement. En se méfiant toujours des ennemis, on fait bien bien le tour. Voilà, on joue au son, le but c'est vraiment de faire le tour de votre bâtiment et ensuite de descendre au fur et à mesure. Une fois que c'est fait, toujours, je vous l'ai dit, le but c'est donc de remonter. Ah, ok, un petit bug d'edit. Et ensuite, toujours reprendre la hauteur.
On va dire qu'on s'est déjà mis bien au niveau de l'early, parce qu'on peut prétendre du coup avoir du shield, beaucoup de stuff, quelques matériaux en plus. Ok, donc on peut revenir du coup sur notre main base et essayer de slay par contre les joueurs qui eux vont sortir du coup de leur bâtiment également à leur tour. Ok. Donc le but c'est toujours dans tous les cas de pouvoir analyser la partie la plus importante au niveau de votre spawn. Donc du coup les joueurs et à quel endroit ils vont pouvoir se déplacer. Ok, donc toujours salut Star, comment tu vas? Donc toujours se déplacer et toujours en ayant un œil sur ce qui va se passer autour de vous. Alors, il est 17h10. C'est vrai qu'au niveau de l'early on peut en tirer pendant des heures et des heures. Maintenant j'ai un petit peu du coup envie de mettre en application cette partie là, donc principalement au niveau de l'analyse, et justement essayer de, on va dire, essayer de garder cette hauteur naturelle le maximum possible. Ok, si on peut la garder on la garde, si on peut prétendre la descendre, à aller looter, on descend, mais on reste quand même sur notre sécu. Ok, donc le but c'est vraiment de travailler au niveau des spawns agressifs aujourd'hui. Spawn agressif, spawn mitigé, on va dire. Ok, spawn mitigé, je m'entends quand je spawn au milieu de la map. Voilà, on peut prétendre quand même un spawn mitigé. Ok, pourquoi ils sont arrêtés? Je sais ce qu'ils font. Ok, alors du coup, donc on va prétendre à avoir, je pense, on va faire quelques games. Donc il y aura quelques personnes qui pourront me rejoindre au cours du coup du coaching. Ok, donc on va essayer de mettre en application tout ça. Pour l'instant, je vais donc faire une game solo pour essayer de vous expliquer un petit peu le spawn. Donc on va aviser en fonction du coup du spawn qu'on va avoir. Alors pour l'instant on va aller en matchmaking tranquillement. On va mettre un petit peu de difficulté vu qu'on n'aura pas le mode sensu lorsqu'on tuera un joueur. Pour les personnes qui souhaitent participer, je vous laisserai du coup vous rendre directement sur le Discord Gaming School. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est en bas à droite au niveau de votre écran, nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Discord. Vous choisissez votre role school et vous venez dans le channel vocal. Salut Emric. Allez. C'est parti, donc on va essayer du coup d'optimiser. Alors ici on peut voir que du coup l'itinéraire du bus va de Craggy jusqu'à approximativement tout en bas de la map entre Misty et Lazy. Donc on va essayer de prétendre du coup à aller à Plaisante. Ok, donc Plaisante, première, on va dire grosse ville qu'on peut rencontrer sur notre itinéraire du bus. On va essayer de voir un petit peu ce que l'on va faire en fonction du coup de la popularité qui va s'y rendre. Tu m'as supprimé sur Discord? Non, enfin je sais pas, j'ajoute personne sur Discord moi, Mike. Enfin, en fait, je vois pas l'utilité, donc je n'ajoute absolument personne et jamais j'ai ajouté quelqu'un en fait. Allez, donc le but du coup, essayer de viser la maison à trois coffres, qui est donc la maison niche en haut à droite de Plaisante. Donc là, on peut prétendre quand même, je pense, à avoir pas mal de joueurs hein, qui vont sauter, vous le voyez. On va voir un petit peu ce que l'on va pouvoir faire. Si vous vous sentez beaucoup trop en danger par rapport à votre spawn, vous pouvez bien sûr dodge aussi votre spawn. C'est-à-dire que parfois là on voit qu'il y a énormément de monde. Ok, ben oh mon dieu. En effet. Donc on va tout simplement éviter du coup d'aller à spawn, ce spawn. Ou alors jouer sneaky beaky like, c'est-à-dire faire pas de bruit, essayer de prendre quelques pics tout en restant sécu. C'est impressionnant donc il y a par contre, vraiment, c'est insane. Bon, alors ça sert à rien d'analyser, il y a beaucoup trop de monde. On fait rapidement le tour de notre maison, j'ai pas le temps de prendre ce qu'il y a en dessous. Il y a déjà un mec sur ma maison. Lui il a la décale donc ça fait un peu peur. Mon dieu. On a Yem. Oh dommage. Il y en a un autre. Il va falloir vite se soigner avant que l'autre y arrive.
Oh. Vite, 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 vite. J'aurais pas le temps d'aller sur mon toit, c'est dommage, il a très, très rapidement rush. Je vais essayer de me décaler par un jump shot. Je sens arriver. What the fuck? Oh. Mais qu'est-ce que tu fais? Bon, tempo, par contre c'est pas bon de se focus sur un seul joueur. Faut quand même regarder autour. L'autre est dans ma maison, ce que j'ai compris. Bon, là pour l'instant il semble y avoir pas grand monde. Ou alors ils sont tous dans leur maison, mais directement vous voyez que du coup on prend la hauteur naturelle. Et l'autre est en train de framer tout ce qu'il peut. Ok, on a mis une petite balle, mais maintenant je vais plus pique parce que maintenant ici attend. Par contre il y a l'autre qui est en train de monter. On tempo, on se presse pas. On est assez low quand même, hein, on va pas se presser non plus. Est-ce qu'il a bougé l'autre joueur qui est au milieu? Ok, il y a un joueur qui est sur la maison en face. Et je vois un joueur là-bas qui a pris une petite balle. Ça va l'énerver un petit peu. Le but c'est de grappiller au maximum les joueurs. Et ensuite pouvoir faire quelque chose. J'ai un peu peur de ce qui se passe derrière moi après donc. Oh, il avait quoi comme arme? Il avait un Barrett. Oh, il avait un. Enfin un HP. Bon c'est pas grave. On va en faire une. On va essayer de faire un petit. De voir un petit peu sur un autre cas. Ce que l'on va pouvoir. Enfin, tout simplement prétendre. On a quand même fait 2 kills. Au niveau d'un start d'une game rush, c'est vraiment très important de faire des kills. Hein. Je vous le rappelle. Donc là, 2 kills, on a fait un petit peu le contrat, la partie du contrat, qui est très bonne. Ok, 2 kills, c'est très très bien. Tu as vu mon MP? Absolument pas, non. Je le regarderai après. On peut jouer ou pas? Alors, déjà, bonjour. Et oui, bien sûr. Alors, je termine du coup les 2-3 games, histoire de vous montrer un petit peu au niveau de l'early. Et ensuite, je vous fais jouer. J'aurais pu savoir qu'il y a un Barrett. Alors, techniquement non, parce que je l'ai pas vu bouger en fait. Voilà, pour t'expliquer un petit peu. Il est resté seulement dans la maison architecte. Je l'ai pas vu partir au niveau du bot ou du stade. Donc dans tous les cas, non, je peux pas savoir qu'il y a un Barrett. Pour te répondre. Et Benouz, c'est pas à toi de répondre, c'est à moi. Alors, on en refait un dernier. Bon, j'espère que ça va bien se passer quand même si on va devoir relancer pour refaire un peu en vrai. Et après, je le ferai avec vous. Alors, bah écoutez, là on a plus du coup le côté Steamy. Mais Steamy, encore une fois, il n'y a pas grand monde. Je serais encore plus porté au niveau du coup de Frenzy. Sans douter. Alors, bah, très franchement, absolument pas. Ça, c'est pas anticipable. Parce que comme je t'ai dit, je ne l'ai pas vu sortir de sa maison. Donc techniquement pour moi, le mec il est resté dans sa maison pourrie éclatée au sol et il n'est pas sorti. C'est pas grave Benouz, c'est moi qui gère. D'accord? Ok, on a pas mal de monde toujours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais donc je peux plus compter là, c'est mort. Beaucoup de personnes encore.
Ok, on va essayer de spawn même chose, maison niche avec un coffre, celui du bas si possible. Comme ça, ouais, là, ça va être très compliqué quand même. Ouais, tue-moi. On a pas de chance, hein. Il y a quand même une partie chance sur les spawns agressifs, les gars. Allez, le chargement qui est long, mon dieu. Désolé, mais c'est pour avoir l'avis d'un coach sur le sujet. Alors, dans tous les cas, on a l'heure pour le voir. Ok, cette partie-là. Donc, vous inquiétez pas, vous allez potentiellement passer avec moi. Voilà, ça sert à rien de vous presser ou de demander à chaque fois. Vous inquiétez pas, je vous vois dans le chat. Toujours, par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Ah, je reviendrai au niveau de l'avis de labo de combat. On prendra 5 minutes. Je vous remontrerai potentiellement ce que je vous ai dit juste avant. Et voilà. Sweetie donc, pourquoi j'ai 2 points? Ok, donc là du coup le requin, donc requin sera pas trop potentiellement contest, on pourra plus parler du coup d'une grande ville qui sera donc Sweetie. Ok, donc ça sera plutôt cool là-dessus. On va essayer de toujours avoir le grand bâtiment, potentiellement ce serait pas mal. Le grand bâtiment central que l'on peut trouver. On avisera, donc qui se trouve ici, un truc qui nous a pas. Et on avisera donc en fonction de notre spawn et de la popularité qui s'y rend, pardon. Tu vas quand t'as chez Scarsus, après le 11. Allez, c'est parti. Après, tu vas en duo ou squad. Ça dépend des personnes qui viendront avec moi. Ah, j'ai spawn super haut, le pixel d'Europe, je l'ai complètement raté là. Je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est dégueulasse. Bon, c'est pas grave. On va attendre le dernier moment, on va voir un petit peu où est-ce que les gens vont spawn et ensuite on avisera, on ramasse les miettes. Ouais, je suis assez bas là. J'ai un chasseur sur le toit, mais bon, il y a déjà 2 joueurs dessus. Ouais. On va essayer de spawn là tranquillement. Ok, on a plutôt un très bon coffre là-dessus. Moi, j'ai pas envie de venir aujourd'hui. Moi, je te force pas. Dans tous les cas, si tu veux pas venir, il n'y a pas de souci, Ben. Moi, je force personne. Je vous propose, c'est tout. Alors, on a vu qu'il y a quand même pas mal de personnes. On essaie quand même le tour, enfin, de faire le tour de notre maison rapidement. Et ensuite, on avise. On prend l'information au niveau du toit. Alors, qu'avons-nous là? On est en zone, c'est déjà pas mal. Ok, ils sont tous en train de looter dans leur bâtiment. Donc là, pour l'instant, on a une petite longueur d'avance. On va pouvoir sayer un petit peu les joueurs qui vont sortir du coup de leur bête. Et je me méfie surtout de celui-là parce qu'il a une hauteur naturelle qui est beaucoup plus élevée que la mienne. Je suis pas sûr qu'au camping, il y avait des joueurs. Je vois que ça s'est sayé au fond là-bas. Ok, ça se tire en face de moi. Parce que j'ai pas trop. On a pas trop de matériaux non plus en early. Oh, c'est là-dedans, ah, c'est en haut. Oh. Oh, il y en a un deuxième, vraiment. Surtout pas partir en bitrail, surtout pas. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah, c'est normal. C'est impressionnant quand même les randoms comme ça. Hein. Ah, on va pas y arriver. Hein. Allez, on en fait une dernière. Sinon, on va passer l'heure. Surtout pas partir en BF. En plus, je mets du 40-45. C'est quoi ça? C'est balle pourrie là que je mets avec le tactique. Je suis assez unlucky là. Malheureusement, sur les spawns agressifs, c'est compliqué. Comme je vous l'ai dit, sur les spawns agressifs, vous aurez, on va dire, déjà 80% de chance. Parce que dans tous les cas, vous allez avoir au moins une dizaine de personnes, voire plus à votre spawn. Donc, faut compter quand même sur la chance. C'est sûr.
Non, sur le jeu, sur Discord. Discord, tu dispo perso. Sur la prochaine game, je pense. 25, ouais. Encore une game, je pense, ouais. De toute façon, leur lit, ça dure pas longtemps, les gars. Oui, on va voir combien il y a de personnes sur le Discord. 4 personnes pour l'instant. J'hésite à faire du duo. Parce que le duo, ce sera plus, on va dire, travailler pour vous, quoi. Tandis que la squad, par contre, ce sera pas, on va dire, trop utile, on va dire. Est-ce que vous préférez le format, du coup, donc pour partir juste après, en duo ou en squad? C'est vous qui choisissez. Je vous laisse choisir, au moins on est sûr. Alors, ici, même chose, plaisante, comme d'habitude. J'aimerais bien que ce soit un petit peu. Slurpy, c'est très fort. Allez, on va de la plaisante. C'est toi le coach. Ah oui, c'est bah, peut-être, mais oui, c'est sûr. Mais après, c'est vous ce que vous, on va dire, vous qui choisissez dans tous les cas. C'est-à-dire que la duo, c'est plus, on va dire, porté au niveau de ce qui se passe en ce moment, au niveau des événements. La squad, il n'y en a plus en ce moment. C'est pour ça que du coup, on peut privilégier potentiellement la duo. Au niveau de l'information, au niveau des moves, la prise d'initiation, la prise d'information, l'analyse, etc. En squad, je pense qu'il y a plus de personnes qui pourront participer et plus de monde au spawn. Ok. Donc j'ai deux personnes du coup pour la squad. On va potentiellement essayer de partir en squad. Alors pas de souci. Ok, j'ai plutôt un très bon drop là-dessus. Non, on a beaucoup de personnes hein, toujours. Bah allez. On pourrait un pompe, ce serait pas mal un petit pompe. Ah, il y a un joueur qui arrive. Vite, vite, vite. Ouais, nice. Oh, mais pitié. What? C'est juste impressionnant. Qu'est-ce que ça a voulu faire? On va lui faire une ongrane. Ok. On a terminé le premier fight. On va essayer de. Ok. Oh là là, il y a des bugs. Oh là 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 là, les bugs qu'il y a. Ok, directement on prend la hauteur. On regarde autour de nous. Quelles sont les possibilités? Ok. Station essence, personne. Non. Ça tire. Oh bah, donc on va essayer du coup de se rendre plus vers la station essence. En faisant le tour. En faisant attention du coup aussi également aux autres joueurs qui peuvent encore rester ou camper dans leur maison. J'aimerais bien prendre la hauteur sur la maison architecte, ce sera pas mal. Ok, j'ai un joueur en face là-bas. Il s'en va au niveau de la maison en face. Donc j'en profite du coup pour me faufiler directement au niveau des barrettes. Ok. Matario! What? Il vient de mettre deux coups de cage d'un coup là?
Oh, vraiment? Ah, c'est fermé là, je peux pas ouvrir. Il s'en va? Je crois qu'il s'en va. Ah non, il est tout matériau. Il est retombé? Non, il est au-dessus. Ok, ça me permet de tempo un petit peu. Quoique, je suis pas sûr. Si, ça me permet de tempo. Ok. On est plutôt pas mal. Je crois que je vais prendre les toilettes. Est-ce que c'est la porte de sortie? Je me rappelle plus. Ouais, c'est ça. Ok, on va aller rendre visite aux deux joueurs là-bas qui sont. Qui étaient en train de se battre. Ok. On a tiré, on va quand même tempo un petit peu, on va freiner le move. On sait qu'il y a encore deux joueurs sur le toit. Et un qui m'a pas vu. Je pensais qu'il m'avait vu, mais non. On essaie de le brain. On essaie de passer par là tranquillement, il peut pas me voir. Oh, il y a un hélico, c'est vrai qu'on aurait même. Je l'ai vu, il était là. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de boire le café ou... La panique, la panique. J'ai plus de shield. Ça, c'est pas, c'est pas très cool. Ok, ça c'est pas bon. Par contre, on a des matériaux. On va être un peu tranquille. Viens donc. Oh, c'est mal. Non, non, non. Il y a un espace 12 en plus, c'est hors de question. Ah, il a un space 12, il a l'avantage hein. Oh quoi? C'est nimpe. On va prendre les murs comme n'importe quoi. En plus il a un space 12. Je vais pas le pic là, c'est pas possible, je veux pas le pic là. Allez, edit. Attends, je sais que t'as envie d'edit là. Oh, comment il fait? Voilà, on va aller en rediff rapidement. Allez, après ça va être à vous. Vous viendrez avec moi. Donc on va aller en, du coup, en squad, j'ai vu. On apprend tous les jours, hein, même dans tous les cas en tant que coach. Hein. Là, j'ai pas compris. Moi directement en mode rediff. Hein. Et vous devriez bien sûr faire pareil. Hein. On a fait dans tous les cas 3 kills, je crois. Donc c'est déjà encore une fois très très bien au niveau d'un early. On va dire que c'est même dans tous les cas primordial. Et on peut dans tous les cas pas mieux faire. Hop, on va mettre pause. Et je veux juste voir comment ce petit imbécile a pu faire. Pourquoi j'ai pas la vue sur lui? Il est où? Ok. Alors voyons voir. Ah d'accord, ok. Il a edit en reverse et il est rentré par ce côté. Ouais pas ouf. Ok, bon en fait c'est pas ouf, c'est nul en fait. Ok, ça marche. Bon il a eu juste l'avantage parce qu'il avait un space 12. Après malheureusement je ne pouvais pas faire grand chose. J'étais vraiment trop en difficulté. C'est pas grave, allez maintenant c'est à vous. Je vais donc vous switch. Donc on va aller en squad comme vous me l'avez dit. Et on va donc partir. Cette fois-ci je vais partir par le bas. Hop, hop, et hop. Alors, j'y suis du coup 3 personnes qui devraient être avec moi d'ici quelques instants. Allô? Hello, hello.
Yop, bonjour à tous, comment vous allez? Ça va et toi? Ça va, super. Allez, du coup, je vais donc vous inviter. Alors, ça c'est bon. Qu'est-ce qui manque? Grax, Estara. C'est quoi ton pseudo, Estara Courroy? C'est la même chose, Estara Courroy. S majuscule T-A-R-A-K-U-R-W-A. Je crois que c'est la même chose que sur Discord. Ouais. J'ai dû t'ajouter un ami. Yes, ça marche. Comment on fait pour mettre structure sans la poser? Quoi? Pas compris là. Comment ça, je comprends pas, Jérôme. Du coup, on joue pas avec toi. Aka, je viens d'expliquer que cette fois-ci, aujourd'hui, exceptionnellement, je prends du bas vers le haut. C'est pas tout le temps les mêmes personnes qui commencent en premier. T'inquiète pas, tu vas passer, t'inquiète pas. C'est prévu. Tout le monde va passer. Ouais, si c'est ta réponse ou ta question. Allez, c'est parti. Donc toujours, du coup, on va essayer de travailler au niveau de leur lit. Donc on va essayer de prendre un spawn agressif, gagnons nos duels et bien sûr, en faisant attention, en jouant ensemble. On est en squad, donc la communication est importante. Toujours l'analyse, on fait passer les informations, les pings, etc. Ça marche. Putain. Hop, il manque plus que toi du coup. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, toujours si vous avez des questions, c'est good. On entend en double, c'est horrible. Comment ça, Emmerich? S'il peut couper son live? Qui ça? Allez. Alors pour ce spawn, qu'est-ce qu'on va avoir debout? Eh bah écoutez, je vais vous faire bouffer du plaisante aujourd'hui, mais du coup on va partir sur plaisante. Sur plaisante? Ah. Ok. J'ai viré l'œil. C'est nous. Allez, let's go, on essaie de gagner le duel, on essaie de prendre l'information, on fait passer les infos à nos mates, qui sont quand même très importantes bien sûr. Et on avise ensuite. Allez, parti. Toujours sous les questions d'Armar que vous me posez. Hein. Sur quelle maison? Alors, moi je spawn en général maison niche parce qu'il y a trois coffres. Donc principalement, il y en a un qui peut spawner avec moi. Ouais. Il y en a un qui peut spawn maison brique à côté juste ici. Il y en a un qui peut spawn entre les deux ici. Voilà. Moi je spawn et s'il y en a qui ont besoin d'aide, vous n'hésitez pas. On peut faire deux et deux. Au pire des cas. Ouais. Je vais sur le violet. Faut, dans tous les cas, tout le monde soit armé. Je vais venir avec toi sur la violet. Ça marche. Ah, j'ai spawn trop avec mon pixel drop. Il y a beaucoup de monde, hein, toujours. Ouais. Ouais. Je peux même pas les compter en fait. Il y en a au moins une quinzaine. Ah, je suis très très haut au niveau de mon spawn. Il y a au moins une team complète qui va aller à la maison niche, je pense. Je suis pas sûr, je vais analyser quand même, mais. Ouais, 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 il y a une team, c'est sûr. Ouais. J'ai vu qu'un seul joueur y aller, donc je prends le toit. Je vais avec Senov. Ah merde, donc du coup on est à 3 dans ce. Là, on est à 3 là. Il y a du monde dans la maison, c'est vous? Non, non. Oui, moi oui. J'ai pas d'armes. J'en ai tué un. J'ai qu'un pistolet. Sur moi, sur moi. Alors, on va l'aider, on va l'aider, on pousse les informations. J'ai pas d'armes. Ah, vous avez pas d'armes. J'en avais une. Ah, moi je suis très loin pour vous rejoindre. Ah, en plus j'ai un mec qui vous rejoint. J'ai un kit et je peux pas. Ah, je suis trop loin moi. Oh, il est sur votre toit là. J'arrive, j'essaye de faire le plus vite possible. J'ai mis 80. Hey, Putain. Moins 1. Putain, je vais descendre. Y'en a un courant. Y'en a un, y'en a un. Je vois HP. Il va rentrer dans la maison vers le bas. Vous pouvez le reste, tranquille. Je m'en occupe. Ok, bah je reste. Merde. Putain. Oh mon aïe, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? C'est énervant, c'est frustrant, putain. C'est tout ce que vous voulez. J'ai mis des bandages. Hein. Moi c'est bon, j'ai un kit. De toute façon, il est là, il est là. On dirait, j'entends. Là, il met des C4. Cover un peu. Allez, on se passe les infos, on essaye. Oh là, excusez-moi. Bon, voilà. Oh putain, j'ai plus rien pour faire.
Ah, il a pris un crampot. Non, c'est un. Ouais, c'est ça, ouais, pardon. Il est bad. Oh, putain, alors c'est une obligeau qui est sur la hauteur, il faudrait prendre le toit, mais du côté du coup opposé à la ville, c'est bien. Y'a un mec là. On va prendre quelques balles au cas où il se follow, pourquoi pas. Mon AIM elle est avec la tienne, je pense. J'ai ta carte burning. Donc J'ai eu tellement de baisse FPS en fait que j'ai pas pu quoi. J'ai ta carte, vous me dites quand vous êtes chaud. Faut qu'on ait les infos, je vois pas les autres en fait. Moi j'ai plus d'armes. Alors vous pouvez temporiser bien sûr pour S. D'abord, privilégiez justement votre début de partie. Hein. Mettez-vous très bien. 7 sur kill. Okay. Ah oui, il est. Ouais, mais c'est un bot ça non? Ah ouais, non, là-bas. Okay. On avait des joueurs avant station essence. Ouais, mais il est encore là. Il monte. J'ai que 12 balles de. D'HP. De. 3 coups. Hein. J'ai des balles d'air. Là, ça se torche. Ouais, bah, je veux bien des balles, ouais. J'arrive, je rejoins. Ah, bah ça reste, je pense. Ouais, ça reste, mais. Voilà. Yes, ok, merde. Vous avez l'info. Merci, gros. Vous avez l'info, les gars. Faut y aller. C'est bien, c'est noob, on a pris la hauteur là-dessus. Merde, putain, je les vois. Oh, mon AIM, sérieux. Tu vas avoir le deuxième, tu le vois le deuxième. Hein. Ouais, là au centre. Ah, ouais, là. Ouais, attention à ton côté gauche. Attention à ton côté gauche. Voilà. Il y en a un sur la maison, hein. Sur le toit, en face de toi. Marqué. Là. Ok, il y en a un qui a un barrette maison architecte. Passez par maison maison niche puis station essence. Hein. Jouez ensemble, passez-vous les infos. Prenez les initiatives. Vous avez trois cerveaux les gars, c'est le moment. Ça marche. Là. On avance. Ouais, vas-y, vas-y. Sens, on essaye d'y aller. Alors, on a vu des personnes se diriger toujours vers le stade. Yes. Ils y sont. Hein. Il y en a un qui a un barrette. Oh mon ami, il y en a un qui est crack. Voilà. Il y en a un qui est crack. Celui au barrette, il est crack. Ah mon ami, c'est. Je sais pas où elle est, mais elle est pas. Au centre là. Allez, vous les voyez. Attention, je rebarrette toujours. Hein. Putain, j'ai plus de construit. Ah, ça, c'est un petit peu le défaut forcément quand vous êtes en la même. Hein. Parlez-vous au niveau des constructs, toujours. Vous savez qu'ils sont en bas, donc en tout cas vous avez la hauteur naturelle. Hein. Profitez-en, les gars. 29. Voilà, vous avez la hauteur naturelle. Ils seront obligés de sortir à un moment ou à un autre. Il a posé plein de ses gars. Il y a des gars à gauche. Là en bas. Ouais, c'est bien, c'est une autre, c'est bien. Super. Deux fois ils sont crack, très loin. Ils sont très loin en bas. Merde, ils ont mis le C4, putain. Je descends. Bah, j'ai qu'une AR, hein. J'ai rien à faire d'autre. Là, ils sont en train de se rire. Putain. Vous un reculé au pire des cas. Hein. Ah, j'ai merdé. Ah, ouais, c'est bien. Alors, Star Wars, t'es parti tout seul là. Ah, hein. j'ai merdé. C'est de ma faute. Ouais, c'est bien les grenades. Grosse pression ça. Là. Super. Ah, il est au-dessus, attention au-dessus. Ah, il a pas vu au-dessus. Attention, il y a une mine. Ouais, les mines quoi. Super. Mince. Ah, je suis désolé, je suis fatigué du coup, j'arrive à. Enfin, j'ai l'impression d'être dans mon monde et de pas parler en plus, c'est horrible. Ils vont être obligés de sortir, Grax. Hein. Il est là, il est là. Ils sont en train de sortir. Ils peuvent sortir que par là. Ah, c'est dommage, que t'aurais dû garder l'angle. C'est dommage, là, du coup, ils peuvent se reprendre la hauteur là-dessus. Voilà, prends la hauteur, garde la hauteur. Il reste 90 de maths. Voilà, tu gardes la hauteur. 70. Et essaye de prendre des angles. Ils sont obligés de sortir par là où tu es sorti. Ils sont en dessous de toi en fait. Ils sont en train de se régénérer juste en dessous du terrain. C'est ta porte de sortie au cas où. On va leur aller, donc est-ce que ça vaut la peine de. Ok. Alors après, ça rentre, on va dire, quand même dans la partie du cours, comme je vous en ai parlé juste avant. Certes, dans tous les cas, là c'est la solution hein, potentiellement. Okay. Soit de partir, soit de garder l'angle au niveau justement de ces joueurs qui étaient complètement coincés par rapport à lui. Ouais, soit dans tous les cas, la porte de sortie, heureusement que t'as eu un pad. Bon, mon dieu, parce que t'as quand même beaucoup de chance, on va pas se mentir. Et donc du coup cette partie là t'as quand même sauvé. C'est à dire que là t'es obligé de disengage à un moment ou à un autre. Oui. T'es très low HP, t'es en difficulté, t'as pas su récupérer la hauteur ou la garder. Donc techniquement la seule porte de sortie pour pouvoir partir et assurer votre partie est donc de se sauver le plus rapidement possible.
plus il est très bien. On le sent au niveau de sa partie, il a juste à tranquillement continuer ce qu'il est en train de faire. Bon, et puis ça part. Ok, il est 45, je vais donc prendre les autres. Donc là du coup ça rentre après dans le milieu de partie, donc voilà. Ça ne concerne plus. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, on a trouvé la solution. Ok, on a quand même fait des kills, c'est le principal. On est sorti de notre spawn, même si on a eu 3 morts, on a quand même une plaque au cas où pour raise et on peut terminer la plaque à 2, ok, pour plus tard. Donc c'est toujours très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions, messieurs? Non, moi je suis désolé, je suis parti comme un con, je croyais qu'il était tout seul. Voilà, alors, exactement. Ah non, non, mais je le sais, ceci... je sais, j'ai fait le gros con et quand je suis arrivé en bas, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? J'avais pas de constru et tout. L'information est donnée en plus, hein. Tu sais qu'ils sont minimum 2 à 3 là-dedans, hein. Non, mais en fait, ouais, je le sais, j'aurais pas dû. Bon, après, c'est pas grave, c'est un petit problème, on va dire, de prise de décision qui se travaille justement en prenant des claques. Donc, ouais, au contraire, tu t'es rendu un petit peu, on va dire, rendu compte de ton erreur. Et c'est sûr que pour la prochaine fois, tu le referas pas. Allez, du coup, je vais inviter les autres. Je vous laisse dans le channel, je switch les autres. Ouais, okay, ça marche. Merci. Je mets juste en dessous. Allô? Ah, mince. Allo Mike? Oui. Ah. Attends. Allo? Allo, allo? Allo? Qu'est-ce que j'ai fait? Allo? Ouais, ok. Là, ça me met sur un saut. Je suis en jeu. Okay, pourquoi je m'entends? Allo Mike? Tu peux m'inviter? Non, mais c'est après, il y a ton arrivée. Attends. Ouais, mais en fait, c'est moi, je pars sur le jeu. Allo? Allo? Allo, allo? Ouais, Je sais plus qui est en train de parler là, je m'entends en triple, je sais pas là. Ouais. C'est tellement compliqué de pouvoir entendre ce que tu me dis alors que j'entends ta voix en 3 à côté. Donc tu me disais, vas-y, tu mets en pause ton live et dis-moi. Si vous pouvez m'inviter, tu peux m'inviter ou pas? Ouais, bien sûr. C'est quoi ton pseudo? Jimsho. J-I-M-S-H-O avec un tiret, tiret du bas, tiret. C'est bon. C'est bon. Eh, Mike, tu veux participer? Tu peux me muter sur le jeu. Ouais, c'est bon. Eh, Mike? Ouais, y'a pas de problème. Allo, Emric? Je crois qu'il s'est mute. Ah non. Bah, il parlait il y a 2 secondes donc. Ouais. Bon. C'est pas grave. Allez, du coup, on va partir en duo. C'est pas grave, il y a loupé le case. Allez, je te laisse mettre prêt. Alors, ouais, juste tu pourras te muter parce que c'est horrible, vraiment. Je m'entends en double, c'est pas possible. Merci. L'alarme tous les jours à la même heure, c'est pour la pilule. Non, c'est pour soit le réveil, soit me faire penser qu'il faut pas que je relance une game de Valorant. J'ai trouvé comment c'est présélectionner une structure parce que moi, quand je présélectionne un escalier, je suis obligé de le placer. Alors, non, t'es pas obligé. Dans tous les cas, ça veut dire que lorsque tu poses, enfin, en fait, présélectionner, c'est comme prééditer, en fait. T'es pas obligé de prééditer, t'as juste à réappuyer sur ta touche encore une fois. Alors, on va aller à Lazy, ok, donc c'est un des spawns les plus durs, pour moi, je pense. Et on va essayer, du coup, de voir un petit peu ce qu'on va faire. Toujours, on va essayer de se déplacer, du coup, ensemble. Alors, certes, je me doute bien qu'au niveau de l'information, ça va être compliqué. Je vais essayer de te démute, voir au niveau du son. Essayer de parler en jeu, pardon. Attends. Ne parle pas. Vas-y, parle en jeu. Ouais. Ça y est, je t'entends bien là. Okay. Parfait. Donc, du coup, l'information, tu pourras me la donner. Super. Donc, on va essayer de toujours jouer ensemble. Du coup, toujours, on va essayer de privilégier la hauteur naturelle par rapport aux adversaires. Ok, donc viser les toits, les montagnes, etc. Ah non, je t'entends de plus, genre. Alors, principalement sur un des toits, moi j'aurais dit celui-ci au niveau du centre. On va voir après au niveau du pixel drop et les joueurs qui s'y. Enfin, qui dire. Je suis un peu bas par contre. Non, tu es très haut, t'inquiète. Ok. Pas mal de joueurs quand même.
Alors je vais être assez bas moi par contre. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ok, il n'y a rien. Non, je vais essayer de spawn sur le coffre ici. Ok, tu essayes de le prendre. Moi je spawn juste en dessous, au niveau de l'étage. Je suis à l'étage en dessous de toi. Je suis assez safe, je remonte un petit peu au cas où. Ok, essaye de se faire. Ah ouais, t'as un pompe. Essaye de prendre le coffre qui est au-dessus de toi du coup. Ah, mais le problème c'est que les mecs ils sont assez loin du coup. Ouais, je sais pas. Ah oui, mais bon, je te parle de prendre le coffre et si t'as une bonne arme, essaye de le slay. Il y a un coffre sur moi là. Oui, c'est ce que je te dis. Ah, j'ai un pompe pour toi. Attends, je suis en train de slayer un joueur. Ok, vas-y. Je te l'amène direct. Vas-y, moi je prends ta pique. Ils sont en train de se slayer dans ce bâtiment là. Ouais, maman. Oui. Non, pas maintenant. Ah, il peut pas là. Allez, on t'en fout. On essaie de voir s'il y a d'autres joueurs. On sait que dans ces bâtiments là il y a un autre joueur. Même deux, minimum. Okay. Par contre, on n'a pas l'information de ce qui se passe autour. Je viens en dessous. On a un bâtiment, un mec sur le bâtiment ici en face. Okay. Mais alors, j'ai pas d'armes, enfin j'ai qu'une SMG. Hein. Moi, j'ai qu'un. Et il tire justement. J'ai qu'un. T'as qu'un harpon? Ouais, j'ai qu'un pompe. Ah, un pompe, ok. Alors, je vais prendre l'information sur l'autre. Ok, il y a un mec sur la route. Oh, j'ai deux kits par contre. Ici, il y a un mec qui est sur la route. Oh. Ok, j'essaie de venir, j'ai les marques. J'avance tranquillement. Il a dû rentrer dans le bâtiment. Il est dans le bâtiment, ok. J'ai mis une balle. Ok, il est mort. Attention, il y avait des joueurs sur le toit. Il y avait un autre joueur sur la route. Par contre, j'ai pas d'air, donc. Il y a deux joueurs encore en or. Okay, okay. Donc là, on va essayer de remonter, ok, prendre la hauteur. Je viens d'abattre. Comme je t'ai expliqué juste avant. Le problème, c'est que j'ai pas de dame de loin, donc je peux pas faire grand chose. Un joueur en ouest, ouais, c'est pas grave. Le but, c'est que tu slay au maximum. Si les joueurs ils se rapprochent, justement, tu vas essayer de slay. Ok, j'ai essayé de tirer sur le joueur en ouest. Oh, il y a une nerf là. Attention, ouest. C'est moi, j'ai trouvé, c'est moi, j'ai trouvé une nerf. Ouais, nous voilà. C'est complexe. J'ai des matelas si tu veux le rota. Non, je pense pas qu'on est devant rota là. Il est là. Ouais, ça rota par contre. 24, blanc, blanc, blanc. 23, je l'ai une balle, une balle. Deux balles moi, je l'ai mis deux balles. J'ai peur de me faire tomber en fait. Là, je le vois. Là, je le vois plus. Ça court, c'est dans l'eau. Blanc. Okay. Nage. Ici, il est en train de nager. Hein. Comment ça touche pas là? Je comprends pas. Ça ira au bus. Viens. Essaye de prendre l'information, va prendre l'info. Ok, je vois le deuxième également. Ça rush. Chez nous, pas bah. Ouais, juste derrière. Juste ok, derrière. J'arrive, je suis avec toi. Ah non, ils m'ont fait tomber. J'ai la hauteur. Tranquille. Ok, je suis tombé tout en bas. Tranquille. On chill, j'ai pas de matériaux moi. On est pour ici, tranquille. C'est dommage, j'aurais dû faire beaucoup plus de joueurs nous start. Hein. Oh yes, j'ai un PM. Ils sont au-dessus de nous. J'ai des kits. J'ai un kit déjà, moi c'est bon. Attention, ils vont rentrer. Hein. J'ai plus de matériaux non plus. Si tu joues avec la décale à la droite, c'est pas grave. T'as sauté en face de moi? Ah, oh, ils ont la faute. Oh, j'ai plus de maths. Moi, 53 blancs. Ok, c'est mon... j'ai okay ça nous rage, Oh, tu m'as bloqué? Vas-y, y'a l'autre. L'autre en dessous. Il est monté, il est sur le toit, carrément. Il a sauté. Il est blanc. Même, ok. Non. GG. Ok, il y a d'autres joueurs, je crois.
J'ai pas de shield. Pas de shield, pas de matériaux, donc là c'est assez compliqué comme début de partie, mais l'avantage c'est qu'on a activé notre spawn. Plus ou moins. Ah, les joueurs ils sont partis quand là-bas. Normalement il est plus personne. Hein. Là-bas je crois pas que c'est loot. J'ai des matelas. Allez, donc du coup on voit que au niveau de notre spawn tout est clair. Donc on va en profiter. Enfin, tout est clair. Enfin, je m'entends quand je dis ça, bien sûr. Mais on va essayer du coup de faire le... C'est horrible, je m'entends en vous, j'arrive pas. J'arrive pas du tout là. On va essayer de faire le tour de notre spawn à looter. Donc vraiment au niveau des matériaux, du stuff, etc. Tout ce qui nous reste. Moi je suis à 200 métal si t'as besoin. T'inquiète, on a le temps de farmer, etc. Parce que c'est l'early, hein, toujours. On est pas sorti de notre spawn, même si la zone touche bientôt. On est en zone en tous les cas. Ah. Fais gaffe. Ça tire là-bas. Là, donne-moi de l'info, donne-moi de l'info. Ouais, je les vois. C'est bien, un HP mort, je prends la hauteur. Moins 33, on le fout, on le fout. Il faut lui mettre la pression, il tombe. Encore, encore, encore. Oh putain, c'est que. Moins 60, il tombe encore. J'ai un HP, il pad. Mort, c'est bon. GG. Vas-y, je prends la stuff de son pote. Vas-y. Hop. Oh, y'a stack kill bleu. C'est bien, super. J'ai 4 balles. Je suis très bien balle, donc si t'en veux. Là, ouais, y'a la bon, ouais. Y a ça si tu veux ici. Enfin, non, pas ça, mais attends, j'ai de la pointe. Attends, ça. Pourquoi pas, alors bien. Ok, bon, du coup, comme continuer, du coup, je me doute qu'ils ont looté cette partie-là. Par contre, j'ai vu que c'était pas looté au niveau du tout ici. Voilà, on fait bien le tour, il y a encore des coffres au-dessus, je peux en terminer. Ça tombe, encore un kit. Yes, y'a un pote là. On fait bien attention toujours au niveau des retards. J'ai un RPG, j'ai des mini potes. J'ai des mini, tiens. Ok. Tu prends le kit ou les matelas? Non, le kit. Tu prends le kit ou les matelas? Attends, je peux le sac, j'ai pas vu. Attends, ok, vas-y, je prends les matelas. Attends, ouais. Mon Discord il a bugué. Je vais voir le Discord vite fait. Ah, mais ma voix s'est coupée. Ah, super. Bon. Ah, désolé, ma voix elle avait bugué. Non, c'est pas grave. Bref, dans tous les cas, là, on va du coup sortir au niveau de notre sujet de l'early. Donc, techniquement, du coup, mission réussie. Ok, donc on a vraiment bien réussi une bonne spawn. On a joué ensemble. On a encore une fois fait une game rush. On est donc à Lazy, qui est une ville qui est très agressive au niveau de la carte. Donc mission réussie, on a du coup 5 kills. C'est pas grave, c'est pas grave. On a du coup 5 kills. Donc du coup, on a déjà pas mal de points pour l'aspect compète, ok. Donc je peux pas en passer. Donc on est très bien, ok. Là pour l'instant, donc le but c'est vraiment de faire, on va dire vraiment des optimisations, trouver du stuff, trouver des shields, pourquoi pas, un petit peu de matériaux sur la route. Mais le but du coup à ce niveau là, c'est de faire un petit peu votre rotation, ok, sur votre spawn, etc. Là le son sur c'est un pas, alors je sais pas du tout, je pense qu'il est sur Discord en même temps. Non, non, il est mute sur Discord. T'arrêtes, on en fait une. Non, non, c'est 18h du coup. Je sais pas sur Discord, il y a un bug, je pense. Tu m'entends ou pas? Je t'entends plus. Bon, je sais pas pourquoi il m'entend pas, mais. Un peu chiant. Je sais pas ce qu'ils ont Discord, mais. Ouais, je sais pas. Bon, anyway, du coup, ben, pour moi, bon.